Salut, alors moi c'est Maël, je suis volontaire en service civique au poste de gardien de semences. Un gardien de semences, c'est quelqu'un qui va s'occuper du début à la fin du cycle des graines. C'est tout le cycle de la graine, tout le cycle de la plante qui doivent être suivis. Donc notamment la sélection des porte-graines, les plus beaux fruits, les plus beaux plants. Ensuite leur entretien, quand vient le temps de les récolter, il faut les mettre dans des lieux au sec, ventilés. Ensuite vient le temps donc de l'extraction. Lorsque les graines ont été récoltées, on peut donc les ensacher. Donc je supervise ces ateliers et lorsque ces graines sont ensachées, elles vont dans notre boutique. On promeut la biodiversité cultivée par les échanges de graines, par l'échange des savoir-faire associés. C'est important pour nous qu'on valorise toutes les variétés qui existent dans nos jardins, qu'on les préserve, qu'on les entretienne. Parmi ces échanges, on a souvent des petites pépites qui passent et qui nous sont chères. Et donc on les reproduit dans nos jardins. Le gardien de semences a aussi pour rôle d'animer certains ateliers bénévoles. Notamment comme ici, l'extraction de graines, en l'occurrence des tomates, des Saint-Jean d'Angély, de notre propre production. Une vocation qui naît pour l'avenir, pour un métier futur.